Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing du dimanche. Oui, tous les dimanches, on a dit, on fait un unboxing. Ça, c'est, j'achète des mystery box. C'est moi qui les achète avec mon argent. J'achète des mystery box en Thaïlande et je... non, pas en Thaïlande, celle-là, elle vient de Séoul. J'achète des mystery box sur Internet et en fait, après, je les déballe avec vous le dimanche. La première, on avait fait 4 t-shirts pour 3 euros. La deuxième, on avait fait les t-shirts de la marque Seven Street. Voilà. Et là, la troisième box, c'est une boîte qui vient de Séoul. Donc en Corée, la quatrième box, c'est des produits chinois. La boîte est grosse quand même, l'autre. Hein. Donc là, on risque d'avoir des électroniques de merdouille. Et après, il y aura encore normalement des t-shirts. Et après, encore des t-shirts. Et normalement, si on fait une par dimanche comme ça, tout jusqu'à la fin du mois, on devrait arriver à Noël avec tous les dimanches. Et on pourrait avoir la mystery box de Noël ou du jour de l'an, qui serait la mystery box Gucci. Gucci, chi. Non, c'est plutôt Audia. En fait, c'est pas vraiment marqué de Gucci, mais sur la photo, c'est du Gucci, mais je pense que ça va plutôt être là. Donc, l'émission est enregistrée en live sur Twitch. Alors, si vous êtes sur Twitch, je peux lire vos commentaires. Merci à Cool Fab, à Nono le chat. Et puis voilà, donc tout va bien. Et vous êtes quand même 600 lignes là, donc c'est bien. Donc, l'enregistrement est diffusé en live sur Twitch et je fais un enregistrement local et je la mettrai sur YouTube. Dimanche, voilà. Donc première mystery box de Corée, on est d'accord. Et ça va devenir une série où je vais vous faire en fait tous les jours, mais je vous dirai pas quand. Tous les jours entre 10h et 11h, il pourrait y avoir un déballage puisque je vais déballer les mystery box, donc le dimanche sera le samedi, mais tous les produits que je reçois. Tous les produits que je reçois de partenaires, de marques et tout, des fois je sais ce qu'il y a dedans et des fois pas trop, et bien je les déballerai entre 10h et 11h. Donc demain, par exemple, si je reçois un truc, je vous fais un déballage. J'ai un tracking là qui est chaud et qui devrait arriver bientôt. Donc ça sera un peu la surprise. Soit je reçois quelque chose, je vous fais un déballage. Ça permettra de faire une petite vidéo en live, d'augmenter mon temps de live, parce que Twitch, il faut faire des heures et des jours, c'est pareil. Oh, plein de trucs. Plein de trucs. je n'ai pas ouvert, hein, c'est juste parce que derrière, il y a mon adresse et tout, voilà, c'est juste pour faire un peu comme ça. Donc, si je reçois des produits, je vous fais un déballage. Moi, des fois, je sais ce qu'il y a dedans, des fois, je sais pas, et voilà. Et ça permettrait de faire un live Twitch avec un déballage où vous savez pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai une idée, puisque j'attends des produits, on a des produits qui sont, on a des partenaires, donc on sait qu'on attend les produits. Ensuite, cette vidéo pourra être coupée et mise sur GLG Vidéo le lendemain en disant déballage de je sais pas quoi, tu sais, j'attends du mini PC, j'attends le Nubia Red Magic, j'attends des écouteurs, des caméras, j'attends plein de trucs, tu vois, c'est vraiment... Et puis après, bah, de faire la review plus tard, mais comme ça, vous savez un peu ce qu'il y a, et ça permet de faire quasiment pour le même prix, pour le même prix, de faire plein de vidéos. Bon, alors, moi je commence par le plus gros. C'est quoi ça? Ah, mais c'est ça qui était lourd. C'est nul. C'est de l'aloe vera. Nature République. Alors, s'il y en a qui savent ce que sont les produits, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Dans la vie d'une fourmi, 4 secondes de lag, c'est énorme. aussi. S'il y en a qui savent ce que c'est les produits... Et alors, la boîte faisait... Alors, attends. Comment j'ai mis Séoul, je l'ai payé 999 bahts. Donc, 1000 bahts avec le taux de change. Ça va faire 27 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc, premier produit, Nature République, de l'aloe vera, du soufling gel. Alors, s'il y en a un qui sait ce que c'est, qu'il n'hésite pas à mettre en commentaire à quoi c'est quoi le produit. Je vais l'ouvrir. En même temps, c'est à moi. Je l'ai payé. Mon argent, c'est pas le vôtre. Mettre ça là-bas. Hein. Si ça m'explose pas la gueule. Oh! Il y a une couche par-dessus, là. Ouais, bon, c'est de l'aloe vera, quoi. Après, voilà. Mais si personne sait ce que c'est pas grave. Bon, on va mettre ça là. Mettre ça là, on verra ça plus tard. Je vais essayer de pas me... Ça serait pas du dentifrice. Attends. For you. Oh, c'est rigolo, ils ont mis un petit collant for you. Combien vous êtes en ligne? 6, pas mal. Pas de commentaires? Non. On a toujours la vie d'une fourmi. Bon, ça c'est quoi? Ça, c'est du dentifrice, c'est sûr. Du dentifrice, mais coréen, quoi. Ah oui, dental. 93% de produits illicites. Aucune idée. Vous connaissez pas cette marque? Médian. Fais voir. Je vous fais un peu... Même pas un t-shirt. Bon, bah écoute, c'est du dentifrice.
Ouais, après, bah, c'est du dentifrice, mais coréen, avec la croix suisse, quoi. Avec la... C'est soit la croix rouge, soit la croix suisse. Bon, ça, c'est moins... Ouais, je sais pas, après, en même temps, le but, c'est... Après, on va... L'intérêt et le désavantage d'une mystery box, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. si je savais ce qu'il y a dedans, ça perd complètement l'intérêt. Allez, ça, c'est quoi? Je montre quelques des trucs de meuf, là. C'est nul, tu vois. Attends, je te le mets là, parce que après, t'es en train de te dire qu'on voit rien. Alors, ça, c'est quoi? Putain, mais c'est écrit. Premier, collagène cream. Oh, micron, non, au micron. De la crème au micron. Non, bon, et bon, bah là, oui, mais c'est de la crème collagène, quoi. Faut trouver une meuf, hein. Faut trouver une meuf, absolument. Hé, hey, chérie, bon week-end, je t'ai acheté des trucs de Corée. Bon, ça n'a pas à avoir une valeur de ouf, hein, mais bon, ça, c'est de la crème collagène. J'ai un là qui est capable de me dire. 93 de produits naturels. 9,3 de produits naturels. D'accord. C'est quoi ça là? À 92? Non, 92. 92 Dolce Schmugel. Ah, 93? Ça? Attends, 93 de produits naturels. Ah, d'accord, ok. Tu lis le coréen, c'est ça? Ou t'es en train de traduire avec, avec Strugel? Et ça, c'est quoi alors? Premier collagène. Marine collagène. Ah, mais c'est marque Olika. 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 C'est rigolo. Il y a plein de trucs hein, en même temps. Hein. En même temps, il y a plein de... Allez, ça fait quoi? Oh, regarde! Du mignon. Je te jure. Maybelline. Maybelline. Banana Wonderful. Booster Bath and Shower. Ok. Ah, votre gel douche. Marqué en quoi? Marqué en chelou. Hein. Ouais, bon, ça c'est du gel douche mignon. Ah, on l'appelle la blague, ouais, c'est mignon. Hein. Collagène pour pas vieillir. mais je suis un Highlander, moi. Je ne vieillis pas. Faut que je me trouve une vieille, alors. Et riche. Bon, ça, c'est du gel douche à la banane. Voilà, c'est pas... C'est nul, hein. Ouais, c'est nul. Hein. Bah ouais, écoute, c'est une boîte surprise. Hein. Je veux dire, en même temps, le mec... J'ai pas à être déçu, il m'a rien promis. Il m'a juste dit, c'est une boîte surprise. Je vais mettre ça, là. Bon, ça. Ça, ça, tu vois. J'arrive. Les Coréens qui m'écrivent. Alors, body oil. Bah ça, body oil, body. Le corps. Oil, l'huile. Huile pour le corps. Vous me demandez, je fais des cours d'anglais sur Twitch. J'ai tapé en anglais sur Twitch par exemple alors body oil natural fait au maïs hein, quand même hein. Pas mal oui bon ça c'est moins pire que le reste ouais c'est bien ouais on va pas faire les difficiles en même temps boîte mystère de Corée regarde c'est marqué tout en bah en coréen, oui, en même temps, je suis con. Je suis marqué en quoi? Pas marqué en polonais, hein. En chinois, oui, un peu. Si c'est fabriqué là-bas. Oh, il y a un tout petit truc là. Regarde. Allez, je fais les groupes. Je fais les gros paquets. Je pense que le mec, il a été. Tu sais, je pense que là-bas, il doit y avoir des supermarchés un peu. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Hong Kong. À Hong Kong, il y a une grosse série de magnats qui s'appelle Bonjour. Et bonjour, toi, c'est rigolo, c'est marqué bonjour en français, mais c'est plein de trucs de produits de beauté comme ça. Quand on y allait avec mon ex-femme, la deuxième ex, on allait beaucoup là-bas, et voilà, il y a plein de trucs et tout. Alors, les produits de beauté, les meufs sont aux anges. Alors, combinaison watercream. Et comme la plupart, ça vient de France, en même temps, c'est souvent marqué en français. C'est nul, moi, je veux des trucs qui me plaisent, hein, moi. Ça, je vais m'en faire quoi de ça, moi, avec ça. En forme de à quoi? Natural Republic, Super Aquamax, Combination Waterly Cream. Après, c'est marqué en coréen derrière. Après, tu te démerdes. Après, pour le reste, je sais pas, tu cherches, fais comme moi, tu cherches sur internet. Ah, il est marqué en anglais. Regarde, attends. Journée de nature. Nature Republic, believe that the. Nature Republic, c'est dans Star Wars, non? Il y a un truc. C'est pour ça que j'ai vu la République il y a. Bon. Believe that the true secret of beauty is in nature untouched and original. Come and join in our journey to nature. Bon, c'est un truc naturel pour tartiner la tronche.
et te laisser espérer que tu seras moins vilaine. Ah, plein de trucs. Regarde, j'ai encore plein de trucs dedans. Bon. Hein, il y a à manger. Il y a à manger dedans. Il y a à manger. Je viens de le voir. Alors, ça, c'est quoi? Good skin. Bon, skin, la peau. Après ton corps d'homme poilu. Skin, la peau, good skin. Bonne peau. À ne pas confondre avec vieille peau. Et une autre. T'as la vieille peau et la bonne peau. Bon, tea tree. T-E-A du T. Tree, l'arbre. Tea tree. Ok, ouais, d'accord. C'est n'importe quoi. Ouais, je suis en train d'essayer là. Je veux dire, abonnez-vous, je ferai des cours d'anglais le dimanche. Oh, il y a une petite. Une petite main. C'est la main du mignon. Voilà. C'est. Tu vois, je crois que c'est moi au début, je crois. Non, mais c'est fermé. Ouais, bah, heureusement. Ça a l'air tout frelaté. C'est solide. Bon, bah écoute, bon, Coolfab, Coolfab et le chat vous met pas d'une aide incroyable. Hein. Je suis désolé, mais. Hein, il n'y a plus que 4. On a perdu 2. Il y en a 2 qui se sont perdus. Ils ont dit c'est nul. C'est nul son truc. Et bah regarde, Hater sur Amazon, c'est pire que ça encore. J'ai essayé, mais on sait que c'était mauvais. Tout était mauvais. Les acteurs étaient mauvais. Tout le monde était mauvais. Le script était mauvais. Ah, try mask. Ah non, c'est un. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. KF, je vais faire la connerie en disant est-ce qu'il est FFP2 et tout. Mais non, pour de vrai. Je vais faire une connerie en disant ah, mais c'est des fois, il y a des masques qui le mettre comme ça avec du liquide et je voulais faire la blague en disant est-ce qu'il est FFP2. Et ben non, mon pote, il est KF94. Il y a un truc 95, c'est pour la pollution. Donc là, 94, non, ça doit être bien. Fabriqué en Corée. S'il te plaît. Voilà. Donc avec ça, je veux dire, le Covid ne passera pas par moi. Bon, au micro, on ne sait pas. Personne n'est vraiment sûr. Mais ça, ça c'est bien. Un petit masque, voilà. Coréen. Et tu mets ça. Regarde, après, t'es beau gosse comme lui. T'es tout lisse, un peu efféminé, petite couille et tout, tout bien. Bon. Oh, ah ben voilà. Enfin, regarde. Est-ce que ça ressemble? Bonjour, bonjour à Gagnas. Bon, j'espère que tu seras plus efficace que Coolfab et Nono le chat. Ils ne sont pas d'une grande aide. Hein. Je déballe tout un colis, là, un mystery box qui vient de Corée. Malheureusement, je ne comprends pas du tout le coréen. La coréenne, je pourrais comprendre un peu. Je pourrais faire des efforts. Mais, oh, c'est des petites boîtes individuelles. Regarde. Bon, c'est pas trop ma couleur, ça. Hein. Tu vois? Putain, mais quelle idée aussi là. C'est bon, quelle idée de m'emballer ça. Ça se casse pas, ça, c'est. Allez. Alors ça, ça a l'air du mascara, vous qui vous y connaissez bien. C'est pas un ou de Ladyboy là? Ah mais non, ah ben non. C'est cassé ou pas? Oh, c'est joli, c'est du Lego. Du Lego make-up. Attends, papa, il faut qu'il comprenne comment ça marche. Là. Oh, trop bien, regarde. Tu mets comme ça, regarde. Hop, ici, et tu peux le mettre là, regarde. Trop cool. C'est le truc le plus cool de la boîte. Alors, malheureusement, je crois pas que ça soit fait pour ça. Là, je vais le mettre dans l'ordre, regarde, du plus clair au plus foncé. Un truc, c'est trop bien. Trop génial. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse, putain, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup de dépenser 27 € pour acheter ça. Eh, make-up. Putain, bon. Pour mes soirées curées moustache, voilà, un peu de make-up, un peu de crème pour avoir la peau douce, et voilà, c'est parti pour la soirée SM. Pas trop la couleur, d'accord, c'est facile à comprendre. En général, elle crie sans accent, pardon. Oui, Kachema, c'est le seul truc que j'ai retenu en rien dans la colonne, là, c'est tu me manques, Kachema, voilà. Kader, c'est bien si tu veux virer Ladyboy, t'es déjà équipé. Ah bah là, je veux dire, hey, j'ai une crème. Quoi, hey, je peux mettre mon masque, comme ça on verra pas la barbichette, regarde. Body oil, pas mal. Un petit peu d'aloe vera comme ça. Pour la laine, j'ai du brosse à dents. Si on fait des enfants, eh ben j'ai du truc à la banane. Pas de jeu de mots avec les Ladyboy et les bananes. Censuré. J'ai du premier collagène, d'accord. Ça, on sait toujours pas ce que c'est, ça. C'est du combinaison watercream, d'accord. Et ça, c'est du
Bouskin. Mais ça me paraissait évident qu'on allait recevoir plein de trucs de beauté, là. Moi, j'aurais bien voulu des t-shirts de la dégustation et tout, mais bon, évidemment, y a un magasin, là, j'ai vu, qui s'ouvre avec les produits coréens. Oh, il y en a deux dedans, là, regarde. Regarde ça pour la fin. Oh, plein de trucs. C'est quoi, ça? Oh, il y en a trois. C'est trois mêmes. Attends, là, oh là là, là, il y a moyen. Attends, tu vas voir. Ça, c'est les trois mêmes, hein, fais voir. Alors, qu'est-ce que c'est quoi, Tess? La neige. Ah, la neige, c'est connu. Alors, je sais pas si c'est vraiment une marque coréenne, la neige, mais il y a un petit côté French Touch. Ça, j'ai déjà vu dans les magasins. C'est du Water Splitting Mask. D'accord, donc ça, c'est du masque. Oh, je sais rien. Là, c'est vraiment pas mon créneau, là. Là, j'ai vraiment commandé au pif. Ah, j'ai vu Corée et tout. Je vais dire, fais péter le mec. Il est Mystery Box. Voilà, mais bon, ça paraissait un peu évident que j'allais recevoir. Il y a de la merde, mais ça, c'est quoi? Ika Splitting Mask. Putain, mais il y a rien qui correspond, tu vois. Il y a moyen de les empiler, de faire un truc sympa, là, comme l'autre, c'était sympa, ça. Regarde, on pouvait jouer un peu. C'était éducatif. Là, rien du tout. Bon, rose. Bleu, blanc, rose. La neige. Lip Splitting Mask. 3 grammes. Fais voir. Je l'ouvre, hein, pour que. Ah, 3 grammes. Mmh, ça sent bon. Je me demande si je vais pas me faire une petite soirée pyjama. Non, pas du tout. Non, bon, 3 grammes. Ah, c'est, ça fait lourd, 3 grammes. Oui, parce qu'il y a plus de plastique, rien. Hein. Je suis en train de me dire, comment ça fait 3 grammes? Du coup, dans les films, ils parlent de 3 grammes de shit, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait quand même déjà une petite, petite dose, quoi, de quoi te tartiner les narines, tu vois. Non, ah, non, celui-là, il est lourd, celui-là. Non, celui-là, il est pas mal. Ah, ça, il y a combien, là? 15 millilitres. Pourquoi il y a des grammes, il y a des millilitres? D'accord. Là, j'ai des grammes, là, j'ai des millilitres. Ah, ça marche plus. Oh, vous avez perdu les enfants, tu vois. Lol. Moi, ça a coupé. Alors, de l'huile pour glisser. Tu vas être toute belle. Alors, moi, ça a déconnecté, les fanfans. Vous me direz en commentaire si ça a marché ou pas. Mais c'est nul. Oh, j'ai complètement planté Twitch. C'est nul. J'ai appuyé sur le bouton ou pas? Non? Même pas? Vous êtes là ou pas? Je vois cache-cache. Est-ce que vous me captez ou pas? Parce que moi, ça a complètement planté. Hein. Je ne vous vois plus du tout. Je vois toujours le chat en même temps. On est toujours là. Ok. Moi, je me vois plus. Moi, c'est pas... Oh là! Ah ouais, non, mais ça a complètement planté. J'ai l'impression que c'est Internet qui a planté. Alors, tout marche nickel. Il est caché dans le placard. Bon, bah écoute, Internet a complètement pas voulu. Voilà, donc bon, si vous avez le flux qui est encore du live, c'est le plus important. Nous, on voit. Bah, c'est bon. Non, mais c'est mon navigateur qui a complètement planté. Je vais essayer de le rafraîchir encore une fois. J'aimais bien quand je me voyais. Ah, j'ai toujours les commentaires, donc c'est bien. Bon, ça, c'est pas... c'est pas mal. Non, ça, c'est nul. Ça n'a rien à voir, ça. Des soirées... Non, on voit. Ok, donc ça, c'est bon. Allez, suivant. Là, il y en a deux. Oh, ça, c'est à manger. Alors, ça, c'est du... Jellyfit, immunité et énergie, support jelly. Alors le problème, c'est que ça se trouve transgrès. GLG. Greg le... le galopin. Alors je sais pas si ça se mange ou si c'est de la crème. Non, j'ai bien l'impression que ça se bouffe pas, ça. Mango. Alors attends. Taurine, caféine, zinc, vitamine. Immunity, énergie, support. Oui, mais ça se trouve, moi je crois que ça se bouffe et ça se trouve, c'est juste du gel pour se mettre sur la gueule. Je vais ouvrir, je vais bouffer ça, tout le monde a souffert de ma gueule. Encore plus que d'habitude. Donc, non. Donc, il dit non. Alors, attends. Stream Manager, copier. Attends, je vais fermer ça. Et si je mets là, tu vois. refais un œuf. Ben ouais, mais attends, je veux dire, je vais être belle là. En version coréen. Bon, ça je sais pas. Vous me direz si ça se mange ou pas, ça. Moi, j'ai l'impression que non. Ah, ça se mange. Choupa Choups. C'est super. Ah, Choupa Choups. Sleeping. Mais c'est marqué en coréen, là. Hein. Là, c'est marqué en thaïlandais. Hein. Je suis désolé, monsieur. Là, je m'y connais, moi, en langue, maintenant. Ça se mange. Ou pas. Putain, c'est quoi? Take care, Choupa Choups, white strawberry. Sleeping serum. Il n'y a rien qui se bouffe. Hein. White Strawberry Serum. Putain, ça fait flipper parce que comme on voit que des yeux partout là, je me demande. Putain, pourquoi je me vois pas sur Twitch? Pourquoi ça a planté cette merde là? Dashboard.
Bon, bah écoute, oulala, cela va t'exciter la taurine. Le taureau, le sleeping serum de nuit. Je suis pas subonite. Je suis pas dans ton cul, c'est ça, en fait. C'était. Ça m'embête que je me voie plus sur Twitch. Bon, écoute, c'est pas grave. Ouais, de toute façon, je vois que je plaude. Je fais un enregistrement local, au pire demain. Bon, suivant. Putain, l'appareil, SNP. SNP. Parce qu'on dirait bien que toi, qu'il y a une lingette dedans. Toi, on dirait bien hein, dans le. 20 grammes. 20 grammes de quoi? 20 grammes dans ton plaisir. Bon, ça, c'est bon, on va mettre ça là. Vous m'aidez pas, hein. Vous pensez qu'à dire des conneries. Hein. Et là, on a l'avant-dernier. Et là, on a du Jelly Fit. Immunité et énergie. Support Jelly. Si tu veux. Green Apple. Ah non, non, c'est bien du... Ouais, c'est bien du gel. Est-ce que ça se mange, d'après vous? Ce sont des échantillons? J'en ai aucune idée. Non, c'est des... Je sais pas, j'en sais rien, moi. Oui, peut-être. Peut-être que le mec, il me refourre tous ces échantillons pourris, là, et qu'il vend ça dans une mystery box. En même temps, on n'en sait rien. C'est marqué tout en coréen, et c'est pas du tout mon créneau. Bon, allez, on finit par le dernier. Je mets ça, là. Je mets toutes les papiers dedans, là, parce que là, vous en avez foutu un peu partout, là. Hein. Bande de gros dégueulasses. Avec toutes vos excitations. Ici, voilà. Dans la boîte, t'es quand même beaucoup plus... Bon, et là, on en a deux. Je suis sûr que, comme je vous ai dit, à Hong Kong, il y avait un magasin Bonjour. Là, il doit y avoir un truc qui s'appelle Thank You, machin, toi. Et le mec, il a été tout acheté là-bas. Il en a mis, il m'a vendu ça à 27 balles et on a acheté pour 10 balles, 15 balles. Et il s'est dit, je vais lui envoyer ça, ça lui fera content. Voilà, il sera heureux. Ça lui fera content. Putain, je parle comme je jeûne. Il sera content. Il sera heureux. Voilà. Bon, ça, c'est du l'aloe vera. Smoothseed et Moisture Aloe Vera Foam Cleaner. Donc là, ça doit être de la crème à l'aloe vera. C'est sûr. Spécialiste. Non, mais vous. Ah, hey, c'est les mêmes logos, regarde. C'est la même marque. Putain, il n'y a rien de bien, c'est nul. Hein. Elles sont nulles, ces déballages. Il n'y a rien qui me plaît. Kids Hair. Healing Gel. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Tu vois? Alors. Kids Hair, Stealing Gel. Donc ça, c'est du gel pour les cheveux. J'ai plus de cheveux. Je suis chaud. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà un peu pour cette Mystery Box. Bon, 22 minutes d'enregistrement. Bon, après, le problème, c'est que je ne suis pas... Jetfit se mange. Ok, merci. Vérifie sur site. Ah, merci. Alors, Jetfit, ça se mange. Donc, il y en a deux. Ça, c'est de là. Ça... Peut-être choups aussi, hein, à mon avis. Hein, choupa choups, c'est super. Ok. Ça, je pense, choupa choups et les jellyfish, je pense que ça se mange. Ouais, t'as raison. C'est le jeu. C'est le jeu. Bah, oui, encore une fois, je vous dis. Soit on faisait un déballage bidon, c'est-à-dire que j'achetais les machins, je faisais le déballage, on disait, oh, c'est pas ce qu'il y a dedans. Oh, et puis voilà. Soit on faisait un truc un peu plus. Voilà, on commande, on sait pas. La deuxième boîte va être pas mal. Là, la boîte suivante, ça sera un truc d'électronique. Donc là, ça va être quand même beaucoup plus. Enfin, électronique. Il y en a pour 30 balles. Hein. Ça m'étonnerait qu'on déballe un iPhone. Hein. S'il y a un iPhone dedans, c'est une contrefaçon à 20 balles. Donc c'est encore pire que tout. Moisture gel hydratant. Tu achètes 20 balles et tu en as pour 5. D'accord. Ma femme adore tes produits. Bah écoute, avec plaisir. Si elle a plus d'informations, mets-moi un commentaire. Oups, c'est sérum nuit. Mais c'est quoi, sérum de nuit? À manger ou à se foutre sur le... À startiner le... L'anus. J'allais dire non. À startiner le... Je sais pas. Tu tartines bien ce que tu veux. Hein, comme au petit déjeuner. Ça, c'est rigolo parce que c'est choupa choup. Donc, ça se trouve, c'est une crème de machin, mais à l'odeur de... J'ai trop envie de dire des conneries. À l'odeur de... Voilà. L'odeur de choupa choup. Pour être fraîche le matin. Je suis fraîche et ça se voit. C'est ça. Ma femme est une experte. J'en doute pas. Bon, généralement, toutes les femmes sont relativement calées. Hein, dans tous ces produits chelous. Il pourrait mettre un peu de lubrifiant dans la box pour faire passer la note. Je sais pas. Est-ce que, d'après vous, ça vaut 25 euros? Madame le chat. Ouais, bah oui, Nono le chat, donc forcément. Madame le chat.
Est-ce que d'après vous, il y en a pour 25 balles? Ou vraiment? Après, bon, il y a le côté, c'est une boîte mystère. Il y a le côté, ça vient de Corée, hein, forcément. Regarde, du coréen, berbe sur les photos. Hein, c'est quand même un gage de qualité. De qualitade. Sérum nuit, c'est crème pour la gueule. Pour le visage, allons, monsieur le chat. Crème pour le visage, oui. Ah, et ça doit avoir l'odeur de choupa choup. L'odeur de... Remarque, vaut mieux ça qu'une odeur de... Voilà. Mais oui, c'est ça. Ouais, ils mettent un là, deux, tu tartines le visage, et trois, voilà, quoi. C'est correct pour 25 euros. Eh ben écoute, c'est bien, voilà. Après, voilà, bon, c'était quand même rigolo et tout, encore une fois, bon, c'est hors taxe et tout, parce qu'on est en Asie. Est-ce que c'était l'affaire du siècle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a passé un bon moment? J'ai envie de vous dire oui. Prochaine Mystery Box. Alors, on va faire comme la semaine dernière. Prochaine Mystery Box, c'est minimum dans le côté mystère. Ça sera dimanche prochain. Ok, donc la prochaine, j'en ai acheté encore deux, j'en ai encore deux ou trois là, en stock. Ça sera dimanche prochain. Si on fait 400 pouces en l'air sur cette vidéo qui sera sur YouTube dimanche matin. Dans ce cas, je vous ferai la Mystery Box mercredi. Voilà, donc j'en ferai une mercredi. Puis on a le live également mercredi. Mercredi, 16h, on se retrouve en live sur Twitch uniquement. Quand je reçois des produits, je mettrai peut-être la photo sur Instagram et on fera un déballage de tous les colis que je reçois tous les jours, même heure, même endroit, sauf que il n'y a que la Mystery Box où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Les autres, généralement, je sais ce qu'il y a dedans. Pour commencer, ça fait rire ma femme. Ouais, dis donc, s'il te plaît, elle pourra regarder le replay, hein, avec ses copines, ça la fera bien marrer, par exemple. Non, ça, c'était bien. Ça, c'était trop cool, regarde, tu peux les mettre là, et tu peux les changer de l'autre côté. Voilà, c'est le seul truc... c'est le seul truc qui me plaît. Et le seul truc, je pense que je vais me beurrer à la banane, moi aussi. Non, je vais pas me beurrer la banane, vous avez mal compris. Je vais me beurrer... Non, bon, j'ai du gel douche à la banane. Mignon. Quoi que je pourrais appeler ma banane mignon. Bon, sinon... Ça je peux, ça voilà, banane, ok, bon vous avez compris, laisse tomber, bon, c'est, brosse à dents, ça je peux aussi, après tout le reste j'en ferai cadeau, ça le masque imberbe, c'est tout moi, voilà. Les trois là, voilà, donc 25 balles pour les trois, et ça c'est cadeau. Voilà, je vais donner ça à une association de malfaitrices et dominatrices, voilà. Donc, prochain unboxing, mercredi, si on fait les 400 likes, sinon c'est dimanche prochain, sur YouTube dimanche, et encore une fois, sur Twitch le samedi. Ceux qui sont sur Twitch, j'arrête l'enregistrement de l'émission ici, et on peut continuer, si vous avez des questions et des commentaires, à me poser. Et sinon, pour l'enchaînement YouTube, on finit là. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, de me dire ce que vous pensez de cette box. Au moins, on a passé un bon moment. Hein. Je veux dire, voilà quoi. On a découvert plein de produits incroyables et originaux. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et forcément, je vous kiffe. Bye bye. Voilà. Donc là, c'est la fin. Hein. On est d'accord pour tout le monde. Hein. On arrête l'enregistrement là et on se retrouve sur Twitch en live. Il n'y a que Monsieur le Chat qui est disponible. Voilà. Peut-être sur YouTube, ça vous motivera à me rejoindre. Peut-être.